relation avec lui, c'est ça. Donc on essaie de trouver ça. Non, d'accord. Je joue pas, j'écoute. Et là, trouver le truc qui fait qu'attention, on ne mange pas la linoise. Essaye de tourner autour de sans le toucher, sans l'écraser. Nom de Dieu. Je leur ai donné des éléments, je leur ai donné deux morceaux à travailler. À part ça, je leur ai donné effectivement des petits trucs pour faire sonner leur propre morceau, leur propre composition, différemment, un peu mieux, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, ce que j'entendais, voilà, je leur signifiais de jouer ceci, cela, d'appuyer plus, de jouer sur la forme, le fond, d'essayer d'être plus percutant à tel endroit, d'être moins bavard ici, et plus là, d'être plus en conscience, quoi. Et les deux pièces que j'ai données, ce sont deux pièces de jouées par Miles Davis dans les années 70. Il fait, et l'autre c'est Billy Preston, où en fait il y a un jeu de deux batteries qui commence et qui se regarde, qui se complémentarise, mais qui s'écrase pas quoi, l'une l'autre. Et pareil pour les binômes, guitare, clavier, etc., etc. C'est l'idée de jouer ensemble, mais pas en même temps. Et tout, c'est un peu, on est autour du feu et on joue du Miles. Ça me plaît. Le spectre, le timbre, par exemple, une guitare peut attaquer que dans les aigus. Vous avez une partie où deux batteries joueront ensemble avec deux rythmes différents. Une basse qui doit être assez solitaire. Donc la guitare, au niveau du son, du timbre, du spectre, doit être travaillée. C'est-à-dire, j'essaie d'isoler la basse en repoussant la guitare dans le plus aigu possible. C'est de la cuisine. Je dose un peu et je mets un peu de réverb. C'est le son d'ensemble, moi, qui m'importe. Voilà, c'est ça que j'apprends aux gens. De revenir à cette intelligence du son.